Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, l'Allemagne fait un tour de 360 degrés. Un revirement incroyable, mais vrai. Parce que l'Allemagne maintenant demande à Zelensky. Vous savez, Zelensky était là-bas hier. À peine hier, Zelensky est passé là-bas. Et il est allé poser des, discuter pour, comme d'habitude, chercher de l'argent. L'Allemagne n'a plus d'argent. Elle ne peut plus financer, elle ne peut plus investir. Eh oui, ce n'est pas qu'elle ne veut pas, mais elle ne peut pas. L'économie allemande est en train de s'effondrer. Eh oui, le prix du gaz est en train de flamber et l'économie est en train de s'affoler. Et l'Allemagne est en train de devenir une puissance minable. Donc les Allemands se sont dit, mais on ne peut pas continuer comme ça, à faire une guerre, alors que nous sommes en train de payer. Et il y a beaucoup d'Allemands qui sont en train de demander des comptes maintenant à leur gouvernement, à leurs dirigeants, en disant que, mais on ne peut pas continuer comme ça. Nous payons maintenant l'électricité très chère, l'énergie. Vous savez que l'industrie est basé sur l'énergie. Quand vous n'avez pas l'énergie, vous n'avez pas d'industrie. Et c'est ça le grand problème que l'Allemagne a aujourd'hui. Vous voyez, quand vous avez l'énergie, vous pouvez développer votre industrie. L'énergie moins chère que l'Allemagne avait de la part de la Russie, eh ben, les Américains ont coupé ça, ont bloqué ça, ont fermé la porte. Voyez, et que bon, maintenant les Allemands sont en train de d'avoir des gros problèmes. Vous savez que la compagnie Volkswagen, hein, la grande Volkswagen là, est en train de menacer de fermer toutes ses entreprises en Allemagne pour aller à l'étranger, aux États-Unis, en Chine ou partout ailleurs, là où l'énergie est moins chère. Et c'est ça le grand problème. Donc l'Allemagne se dit, non, on ne peut pas continuer comme ça, à mener une guerre qui est en train de nous appauvrir et appauvrir nos populations. Et donc l'Allemagne a dit qu'il est temps de commencer maintenant à faire des négociations. Négocier pour la paix avec la Russie. L'Allemagne envisage de participer avec Zelensky, d'organiser maintenant une réunion où la Russie sera là. Ce n'est pas la pacotille, la comédie de la Suisse qu'ils ont fait en juin dernier. Ça n'engage que l'Ukraine. C'est vrai que le lendemain, l'Ukraine est allée, Zelensky s'est rendu en Grande-Bretagne, où il a affirmé qu'il est prêt à faire la guerre. Il demande encore des armes, mais en tout cas, les carottes sont cuites. L'Allemagne est le premier investisseur dans cette guerre en Europe. Eh oui, c'est pas la France. La France fait du bruit pour rien. Elle ne donne rien du tout. L'Allemagne a donné l'année passée 8 milliards. Cette année, 4 milliards et elle envisage de réduire à... Non, cette année, 4 milliards, 8 milliards plutôt, elle envisage de réduire à 4 milliards l'année prochaine et à 2 milliards en 2025, si la guerre continue, bien sûr. Mais les choses sont en train de changer tellement que maintenant, l'Allemagne ne veut plus que la guerre puisse continuer. L'Allemagne veut la paix pour elle-même, pas pour l'Ukraine. Parce que Olaf Scholz a compris que plus cette guerre continue, plus son économie va s'effondrer, plus l'Allemagne deviendra un pays pauvre. Vous savez, même s'ils vont faire la guerre en Afrique, et d'ailleurs, de plus en plus, les Africains sont en train de se repositionner en dehors des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et autres, qui continuent à solliciter l'aide de ces voyous criminels européens. Sinon, les pays africains sont de plus en plus en train de tourner le dos à l'Europe et regarder ailleurs. On a vu ce qui s'est passé avec la Chine, hein, le sommet Chine-Afrique, comment ça a été un succès énorme et le Chinois est prêt à investir et continue à investir. Et vous savez que la Chine, c'est le premier investisseur en Afrique. Donc les gens n'ont plus peur des Occidentaux parce que les Occidentaux ne leur apportent rien. Les Occidentaux deviennent un fardeau pour l'Afrique, les Occidentaux deviennent une charge pour l'Afrique et les Africains sont en train de vouloir s'en débarrasser.
dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, si l'Allemagne entend raison, c'est très bien pour que cette guerre arrive. Mais c'est trop tard parce que la Russie a déjà pris un coup, une avancée sur le plan économique, au point de devenir actuellement la quatrième puissance économique du monde et la première puissance militaire du monde avec toutes ces innovations. Cette guerre a permis à la Russie de relancer son industrie militaire et de renforcer, d'améliorer les capacités de mener une guerre de haute intensité par rapport aux Européens, notamment à la France, à l'Allemagne, à la Grande-Bretagne, qui ont passé leur temps à faire des guerres par procuration. Et maintenant, ils savent que la guerre par procuration, ça ne paye pas. Au contraire, ça vous détruit. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère vraie. Il y a malembe. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assure.